Pierre Chesnoux, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur Rassin. Alors, ce club, est-ce qu'il se porte bien après cette période de Covid, mauvais souvenir ? Alors, c'est un très mauvais souvenir. C'est une période qui a été longue, qui a toutes les associations ont supporté et on ne fait pas exempt. Nous aussi, on a du mal, mais on espère pouvoir redémarrer cette année avec plein de gens qui vont venir essayer et pratiquer ce que nous faisons, le tai chi. Oui, donc mauvaise période. On espère que maintenant on rattaque une belle saison avec toujours un nombre conséquent de membres. Oui, nous avons bien sûr le noyau fidèle qui est resté. Quelques personnes sont parties parce que ça a été la période où tout le monde s'est un petit peu évadé dans toutes les associations. Et j'espère que la journée des associations aujourd'hui va nous permettre de rencontrer de nouvelles personnes et qui vont venir s'intéresser, discuter et prendre une licence chez nous. Alors les cours se passent quand ? Je sais que vous avez deux pieds, si j'ose dire. Deux endroits où vous faites des entraînements. Alors je dirais même plus, puisque le lundi soir on est sur Terrasson au lycée Saint-Exupéry de 18h45 à 19h45. Le mercredi midi de 12h30 à 13h30 nous sommes au dojo à Terrasson. Le mercredi soir nous sommes de 19h à 20h à la salle des fêtes du Lardin. Et le jeudi soir de 18h45 à 19h45 au dojo de Terrasson. Je ne parle pas du mardi matin où c'est moi qui m'entraîne et j'ai quelques supporters et quelques personnes qui viennent avec moi au dojo de 10h à midi. Quel programme ! Ben, de toute façon, pour les gens qui travaillent avec moi progressent et il faut que moi je continue à progresser aussi. Je ne peux pas lâcher prise comme ça. Alors le tai chi, rappelons les bases, qu'est-ce que cela apporte vraiment on apporte la souplesse, j'imagine. Alors le tai chi fait partie des arts martiaux, c'est la base des arts martiaux, c'est un travail qui est complètement différent des sports de combat parce que on le fait au ralenti, mais si on le fait au ralenti, c'est pas pour travailler comme les escargots, c'est tout simplement pour comprendre ce qui se passe dans le corps, dans le travail musculaire et énergétique, de façon à pouvoir le mettre en œuvre si c'était nécessaire dans le cadre d'une agression. Mais bien évidemment, ce n'est pas ce but-là. Alors, à tout âge, c'est bénéfique, mais j'imagine que plus on a un petit peu d'âge, plus je pense que le résultat doit être positif. Alors c'est comme les tables de multiplication, hein. Il faut les répéter pour le savoir. Et dans la pratique du tai chi, comme dans les autres sports de combat, plus on pratique, plus on a d'aisance. Après, il rentre un certain nombre de critères, entre la peur, le timing, enfin les connaissances. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais tout d'abord, c'est un travail pour nous, avec dans l'environnement que nous avons, avec le public qu'il y a, c'est quelque chose qui se retrouve dans la souplesse, les appuis, un équilibre et un travail interne. Alors je vous posais la question sur l'âge également. Plus on a d'âge et plus je pense que le résultat est positif, non ? Mais à tout âge aussi. On peut travailler à tout âge. Chez nous, je n'enseigne pas à des enfants. Je l'ai fait pendant longtemps dans la pratique du karaté. Maintenant, la pratique se fait, je dirais, d'une vingtaine d'années, même un peu en dessous. Jusqu'à 95 ans, j'avais jusqu'à quelques années derrière en arrière des gens qui avaient cet âge-là. Est-ce que vous allez faire une démonstration aujourd'hui, samedi, à Terrasson ? Ben avec plaisir, je vais à un moment donné, quand il y aura un peu de monde, faire une démonstration de forme et certainement quelques applications pour que les gens se rendent compte de ce que l'on peut faire avec. On sait que ce club existe depuis longtemps. Alors, comment il s'appelle exactement ? Alors, le club, c'est Arts Martiaux Le Lardin, puisqu'il est installé là-bas. Mais comme je suis sur Terrasson maintenant, le club garde le même nom. Mais ici, on appelle le tai chi à Terrasson. Il n'a pas un autre nom, c'est pas ADAPA, quelque chose. Alors il y avait ACAMA, c'est-à-dire Association pour la culture des arts martiaux d'Asie. Ça c'est le nom culturel, j'oserais dire, mais qu'on n'utilise pas beaucoup parce que ça n'est pas parlant. On sait que vous êtes vous-même, Pierre Chesnoux, très attaché à la culture asiatique. Eh bien oui, je pratique les arts martiaux depuis que j'ai eu 11 ans et ça il y a maintenant fort longtemps. Donc ça fait plus d'un demi-siècle de pratique. Alors évidemment, quand on a atteint autant d'années de travail, c'est que quelque part on l'a dans le cœur. Pendant un temps, c'était avant la période Covid, il y avait des invités de marque qui venaient vous voir. Est-ce que ça pourrait revenir ?
Alors bien évidemment, je connais toujours ces gens-là et ils me demandent quand est-ce qu'on va pouvoir les faire venir. Et dès qu'il y aura un peu de monde, parce que faire venir des gens qui viennent de loin, de Paris ou d'ailleurs, pour les faire venir pour une dizaine de personnes, ce serait un peu dommage. Mais enfin, bon, cette idée de stage sur le week-end, par exemple, c'est pas abandonné. Cette idée reste toujours dans l'idée et j'espère le plus rapidement possible. Pierre Chougenoux, comment on fait pour venir vous voir, vous rencontrer? Donc, aux horaires que vous avez indiqués, y a-t-il un téléphone, une page Facebook, je ne sais pas, tout ce qui peut servir à vous contacter? Alors, pour me contacter sur Facebook, je passe un certain nombre de choses, mais j'ai pas de page parce que je suis un petit peu meilleur en tai chi qu'en électronique. Et par contre, mon numéro de téléphone, presque tout le monde le connaît, c'est le 06 08 03 27 57. Laetitia Martin. Bonjour Laetitia Martin, alors présidente de DEI au niveau Dordogne. Tout à fait, on est une délégation, une section nationale qui représente la Association internationale de défense des enfants. Comment est venue l'idée de créer cette association en Dordogne et en plus à Terrasson? C'est parce que vous vous êtes dit ici il y a un désert, quelque chose, et il faut absolument créer cette association, enfin du moins cette section ici en Dordogne. Alors déjà, je fais partie de cette ONG depuis de nombreuses années. Et quand on est venu habiter en Dordogne, on a remarqué effectivement qu'il y avait un manque. Beaucoup ne connaissaient pas la convention. Donc il y avait beaucoup de choses très compliquées. Et de là est venue l'idée de créer la délégation pour justement faire connaître et surtout veiller à son respect. Alors là, on rentre dans un domaine très important, parce que c'est le domaine du droit. Vous en avez parlé déjà une fois dans une précédente interview. On ne sait pas, la plupart des gens ne savent pas que les enfants ont autant de droits, si j'ose dire. C'est un peu ça le but de cette association. Oui, c'est de faire connaître à tout le monde, donc aux enfants en particulier, qu'ils ont des droits, beaucoup. Ils ont aussi des devoirs, évidemment. Mais ils ont aussi beaucoup de droits et qui doivent être respectés dans tous les domaines, que ce soit la protection de l'enfance, que ce soit au niveau scolaire, et à Terrasson, il y a un gros manque. Donc nous, on est là pour veiller à tout ça et surtout faire appliquer. Alors là, j'ai l'impression qu'il y a du travail, parce que bon, en plus, il y a... Enfin, à mon avis, il y a un changement de génération, hein, qui fait que il y a des choses que il y a quelques années on ne prenait pas en compte, et puis aujourd'hui on s'aperçoit que les enfants aussi ont leur mot à dire sur plein de choses. Les enfants ont leur mot à dire sur chaque chose. Tous les enfants ont leur mot à dire sur chaque domaine qui peut les concerner, et ils doivent le savoir. Bon, mais là, il y a du travail, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'enfants. Je crois que même le premier droit, alors je ne sais pas si ça fait partie de vos préoccupations, mais le premier droit qu'ils devraient avoir, c'est, bien sûr, tout en respectant les adultes, mais c'est quand même de pouvoir prendre la parole, ne serait-ce que prendre la parole. Le premier droit d'un enfant, c'est de connaître ses droits, déjà. Et ensuite, oui, qu'il peut prendre la parole. Et après, bon, ils ont quand même un avantage, les enfants, c'est comme on dit, la vérité sort de la bouche des enfants, c'est-à-dire que souvent ils parlent avec le cœur, non, c'est ça? Oui. Chez un enfant, c'est inné. Quand il a quelque chose à dire, il le dit. La manière dont il veut le dire, mais il le dit. Et on doit l'entendre. Alors, il y a une grande activité à cette association, c'est aussi de faire connaître les droits des enfants, mais aussi c'est d'intervenir comme animateur sur le territoire. Un peu quelque part, vous allez dans d'autres associations, à la médiathèque, je sais. Alors effectivement, on anime aussi des ateliers jeux, qui s'appellent Place de la Loi. C'est pour apprendre les droits en s'amusant. Ce qui amène toujours forcément à un débat. Alors des fois c'est rigolo parce que les parents ne sont pas forcément d'accord avec les enfants. C'est vraiment très très bien. Là on est en train de mettre en place des expo-jeux. Donc on compte intervenir dans tous les établissements scolaires, dans les mairies, dans les centres sociaux. C'est une expo qui est interactive et très très intéressante. On veut mettre aussi des cafés-débats et des conférences. Ouais, tout un programme donc là... Tout un programme, mais il faut. Il faut, car il y a vraiment un très gros manque en Dordogne.
Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux parents aujourd'hui, aux enfants qui nous écoutent, de venir vous rencontrer, de venir parler, de venir découvrir vos dépliants, vos activités, je sais. Qu'ils viennent nous rencontrer, oui. Et surtout, venez qu'on vous apprenne que vous avez des droits. Alors, il y a un jeu que vous avez fait à la médiathèque qui est fort intéressant, qui est un genre de trivial poursuite où on découvre pas à pas un petit peu les droits des enfants, c'est ça? Tout à fait, oui. En fait, c'est un jeu qui part de la maison et qui passe par différentes cases. Et après, on retourne à la maison, comme dans la vie de tous les jours. Il faut le faire, il faut venir nous rencontrer et venir participer à ce jeu, c'est très très bien. Laetitia Martin, on profite de votre présence ici. Faites des associations à Terrasson cet après-midi, ce 17 septembre, c'est jusqu'à 18h, venez nous rejoindre. Il va y avoir des démonstrations tout à l'heure de les judokas qui arrivent, tout à l'heure il y a le Taichi qui fera une démonstration. Laetitia Martin, on en profite que vous êtes là pour vous poser une autre question. On sait que vous êtes très proche des Ukrainiens qui sont hébergés à Terrasson. Tout se passe bien, est-ce qu'ils sont bien accueillis? Alors effectivement, oui. J'ai ouvert une antenne pour l'association, pour les enfants ukrainiens et leurs familles. Et tout se passe vraiment très très bien. Donc nous, on est là aussi pour les accompagner, pour les orienter, pour les aider dans toutes les démarches si besoin. On a des projets qui sont en cours, qui sont pour l'instant un peu secrets. Mais tout se passe vraiment très très bien. Et puis, les droits des enfants ukrainiens font partie des droits des enfants du monde. Donc voilà, tout se rejoint. Est-ce qu'ils ont envie de repartir ou ils attendent la fin du conflit vraiment avant de repartir, ou est-ce qu'ils ont envie même peut-être envie de rester ici? Certains, oui, veulent rester ici parce que la situation fait qu'ils ne voient pas très belles choses à l'avenir. D'autres, non, attendent de la fin et veulent repartir. Bien sûr, une fois que tout sera reconstruit, les hôpitaux, les écoles. Une fois que... Même pas forcément attendre que tout soit reconstruit. C'est dès que c'est la fin, dès que la paix revient, ils veulent rentrer chez eux. Retrouver leurs racines. Exactement, parce que c'est vrai qu'ils sont totalement dépaysés. Notre système n'est pas du tout le même que le leur, mais en tout point. Et c'est très très compliqué à comprendre pour eux, quoi. Oui, puis malgré l'accueil, tout l'accueil qui peut être favorable pour eux, ils ont envie de retrouver leur famille, leur lieu, leur vie. Leur vie, tout simplement. Leur famille, leurs amis, leur vie. C'est comme si nous, on nous catapultait à 3000 km, ça serait compliqué, quoi. Donc non, mais c'est vrai que sinon ça se passe très très bien. Ben, moi, à mon propre domicile, j'ai quand même hébergé 12 personnes. Et pendant 6 mois, et ça a été que du bonheur. Et j'en ai d'autres qui arrivent. Voilà. Qui vont les remplacer ou... Les remplacer, non. Mais qui viennent aussi voilà, quelques temps à la maison et voir ce qu'ils veulent faire par la suite, est-ce qu'ils veulent trouver un logement. Donc voilà. Déjà se poser, souffler, essayer d'avancer un petit peu. Et voilà. Si quelqu'un veut vous aider, vous soutenir, est-ce qu'il y a un téléphone, un site, une page Facebook, je ne sais pas, quelque chose? Alors, il y a une page Facebook, oui, mais pour l'instant, elle n'est pas encore totalement à jour. Et sinon, il faut nous contacter à mon numéro. Est-ce qu'on peut le donner? Oui, bien sûr, c'est le 06 45 03 69 27. Oui, on accepte toutes les bonnes âmes, oui. Oui, parce que bon, pour l'instant, c'est vrai que bon, il faut les aider, il faut les soutenir, il faut les nourrir peut-être aussi. Quand ils arrivent, oui, puisqu'ils arrivent, ils n'ont rien. Parce que le temps que tout se mette en place, et puis c'est vrai que là, on est quand même dans une situation exceptionnelle, parce que rien n'avait forcément été bien prévu, enfin, tout est arrivé comme ça. Donc le temps que tous les papiers se mettent à jour, que leurs droits soient... qu'on fasse valoir leurs droits, etc. Donc oui, il faut les nourrir. Nous, on fait ça avec le cœur, donc voilà. Merci Laetitia Martin, merci beaucoup pour ce coup de pouce donc, à ces Ukrainiens qui viennent d'ici, donc en Terrassonné, voilà, que vous les recevez en plus chez vous. Bravo, bravo, bravo. On fait ce qui est normal et avec le cœur, et c'est des êtres humains, et voilà.
Merci à vous. Merci. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le vice-président, parlez-nous de votre club de judo alors à Terrasson qui redémarre une nouvelle saison. Eh bien on est reparti pour une saison supplémentaire, donc on attend tout le monde à partir de 4 ans, des moyennes sections de maternelle jusqu'aux vétérans. Il n'y a pas de souci, on prend tout âge à part dans cette tranche d'âge-là. Pour des compétitions et aussi du judo loisir, je pense aux plus vieux qui veulent pas trop se faire mal. On peut aussi faire du judo sans se faire mal et sans faire de la compétition de haut niveau. Et pour les enfants, ben c'est nickel parce que ça apporte toutes les valeurs de la vie. Le respect, le courage, la politesse, l'amitié et tout un tas d'autres valeurs qui font partie du code moral du judo. Donc on attend tout le monde le mercredi, le vendredi pour ce qui est du judo. J'ai peut-être donné les horaires, donc oui. Pour les enfants de maternelle, c'est le mercredi à 17h, 17h jusqu'à 17h45. On enchaîne ensuite par les mini-poussins et les benjamins, en gros c'est le primaire, à 17h45 jusqu'à 19h. Et à partir de minime ça commence en 5e ou 4e, je ne sais plus, au niveau du collège, jusqu'au vétéran, c'est un cours commun, à 19h. Donc il y a un deuxième entraînement qui a lieu, sauf pour les petits, qui a lieu le vendredi. Donc les mini-poussins, les poussins première année, le vendredi à 17h30. Les poussins deuxième année et les benjamins, le vendredi 18h30. Et les plus grands, minimes vétérans, à 19h30. Nous avons aussi une activité bouge ton corps qui s'adresse à des adultes qui ont envie de faire un peu de sport mais sans se faire mal et en toute amitié, dans une bonne ambiance. Donc ça c'est le lundi de 19h à 20h15. Comment ça s'appelle, du judo aussi? Non, c'est pas du judo, c'est de la gymnastique. On peut se servir d'attirail de judo comme le kimono, les ceintures ou faire des petits exercices qui sont en lien avec le judo, mais c'est pas du judo non plus. On peut venir en survêtement aussi. En survêtement, ça passe très bien. Et puis s'il y a besoin de kimono, on a de quoi fournir pour les premières séances. Même pour les débutants qui veulent faire du judo, on prête les kimonos pour ceux qui n'en ont pas encore. Alors tous les rendez-vous ont lieu à la maison des associations, maison des arts martiaux. Arts martiaux, qui est au dojo municipal, voilà, rue du docteur Dupart. Voilà, tout à fait. Ce club qui repart, tant mieux, ouf, parce qu'après la Covid, après plein de problèmes, enfin, ça, on peut dire que cette saison repart sur de bonnes bases, on espère que ça va durer. Ben on espère, oui, parce qu'avec la Covid et les interdictions, notamment au niveau des sports de combat, qui interdisaient la reprise des sports de combat avec contact, ce qui pour le judo est indispensable, et ben, éloigné beaucoup de judokas des tatamis. Et puis là, cette année, ça repart bien. Ce matin, le président était en réunion à Périgueux au niveau départemental. Et a priori, au niveau du judo, tous les clubs sont en positif au niveau de la reprise des licences. Et ça repart pour une bonne année. On espère que ça va durer. Les Jeux Olympiques s'approchent. Est-ce que vous surveillez de ce côté-là? Est-ce que ça peut donner envie à des jeunes de venir pratiquer? Ah bah ça peut toujours donner envie. Il n'y a qu'à regarder les résultats des derniers Jeux Olympiques qui ont eu lieu au Japon, pays du judo où la France a été championne olympique par équipe en battant les Japonais chez eux avec toutes leurs vedettes. Incroyable. Incroyable, donc ça c'était l'exploit des Jeux pour nous, et donc ça ne peut que donner envie. Et puis vivement les Jeux en France où les Japonais auront une petite revanche à prendre, mais on n'est pas prêt à les laisser nous monter dessus. Oui, je pense que la revanche risque d'être sérieuse là, parce que c'est vrai que... Si, c'était impressionnant, et c'était même au niveau judo, c'était fort quoi. C'était du haut niveau. Hein. Voilà. Merci Didier Vincent, je ne me trompe pas de prénom. Voilà. Donc vous êtes sur la fête des associations aujourd'hui. Il n'y aura pas de démonstration, on vient de l'apprendre, hélas, parce qu'il n'y a pas le tatami, hélas. Mais bon, on peut venir vous rencontrer, vous poser toutes les questions. On peut passer au club pendant les entraînements. Les démonstrations sont faites en direct par les judokas qui pratiquent. Et puis les questions, on y répondra sans aucun souci. Merci à vous, merci. Merci, au revoir. Je suis vice-secrétaire au club de BMX Terrassonnet. Alors, je crois que vous m'avez dit que c'est un groupe de parents qui
qui a voulu reprendre le club, qui s'occupe de toute la partie administrative. Oui, dans l'ensemble, les membres du bureau sont tous des parents de pilotes. Et le but, c'est de faire vivre ce club, car il y a quand même une chose qui est importante, c'est que la piste de BMX qu'on a à Terrasson, c'est une aubaine de l'avoir, car sur 3 départements, c'est la seule piste. Donc Dordogne, Corrèze et Lot, il n'y a qu'une seule piste, c'est celle de Terrasson. Donc c'est quand même une chance et ce serait dommage de perdre ce club, surtout qu'on a quand même pas mal de pilotes qui sont passionnés et de plus en plus de pilotes en compétition qui ont pas mal de résultats. Certains viennent de loin, non ? Certains viennent d'assez loin, oui, au plus loin c'est Périgueux évidemment, parce qu'ils ne sont pas équipés non plus à Périgueux. Donc on a des pilotes qui viennent de Périgueux. Si on ne nous dit pas que cette piste est rare, quand on passe à côté, on ne s'en rend pas compte. C'est une chance pour la ville de Terrasson de bénéficier de ce lieu. Oui, c'est une chance, c'est pour ça. Bon, on est là pour essayer d'entretenir. Après, bien sûr, il y a le partenariat avec la ville de Terrasson, avec la communauté de communes qui nous soutient, heureusement. Mais le but, c'est vraiment de faire vivre, d'entretenir et de partager une passion et des bons moments, parce que ce n'est pas forcément une obligation de faire de la compétition, mais en tout cas, être là tous les samedis matins, voire même les mercredis après-midi, pour faire des entraînements et partager le plaisir, la technique et la passion. Le BMX, ça s'adresse à quel âge ? Alors, quel est l'âge idéal pour venir vous rencontrer ? Donc, vous avez donné les rendez-vous mercredi après-midi et samedi matin. Oui, alors il n'y a pas d'âge minimum pour venir. Seule chose importante, c'est qu'il faut savoir faire du vélo sans les stabilisateurs. Voilà, à partir de là, n'importe qui peut venir s'essayer au BMX. On peut dire 6 ans peut-être ? À partir de 6 ans, même 5 ans, si le petit ou la petite s'est déjà roulé sans stabilisateur, il n'y a pas vraiment de souci. Il y a plusieurs groupes et selon les niveaux, on adapte directement au club, il n'y a pas de problème. Est-ce que cela peut être dangereux ? Est-ce qu'il peut y avoir des chutes ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut s'équiper de façon à être... Alors oui, ça fait partie des sports extrêmes. Donc les chutes arrivent assez fréquemment, sont rarement graves. Il y a un équipement obligatoire. Déjà, il y a des choses qui sont impératives en entraînement comme en compétition, c'est-à-dire casque intégral en bon état, des gants, des manches longues, pantalons solides, au minimum un jean si ce n'est pas un équipement standard de cross, chaussettes hautes, chaussures fermées, il ne doit pas y avoir de peau qui dépasse. Ça fait partie des sports extrêmes, donc on peut dire que quelque part c'est dangereux, mais les accidents sont rarement graves. Alors par contre, côté plaisir, alors là, ce sont des sensations fortes, j'imagine, parce que quand on voit la piste, comment elle est construite, on peut s'imaginer qu'il y a des sensations un petit peu qui sont surprenantes parfois, non ? Oui, il y a des sensations, évidemment, et puis c'est quand même des courses qui se déroulent à 8 pilotes. Quand on voit la largeur de la piste, il faut avoir un peu de technique pour s'en sortir, les accrochages peuvent être fréquents. Les sauts, il y a quand même pas mal de techniques à obtenir pour pouvoir passer cette piste sans trop de soucis. Mais effectivement, après, plus on développe la technique et plus les sensations sont fortes. Au départ, on ne décolle pas les roues, on apprend aux jeunes à ne pas décoller les roues sur la piste. Et puis petit à petit, le but c'est de gagner de la vitesse. Donc là, oui, il faut décoller les roues pour pouvoir gagner de la vitesse. Mais ça vient avec le temps. Il y a un mot qui est peut-être un peu exagéré, mais c'est vrai qu'il y a des moments où on s'envole. Ah, parfois on s'envole. Alors parfois c'est volontaire, parfois non. Mais oui, il y a des moments où oui, on ne touche plus le sol. Ouais. Donc on peut dire qu'on vole un peu, mais pas longtemps. Enfin, la sensation forte quand même. Hein. Bon, après, il faut savoir s'atterrir. C'est là où c'est plus on s'entraîne et plus on est bon. Bah, ça, après, c'est comme toute discipline, évidemment. Si on s'entraîne, les techniques viennent. Et puis, il y a un coach qui est là pour apprendre. Et puis, il y a aussi les plus expérimentés du club qui peuvent aussi expliquer aux plus jeunes comment faire, prendre un peu sous leur aile. Personne n'est laissé derrière, personne n'est laissé à l'abandon. Il y a toujours quelqu'un pour aider les moins confirmés, on va dire. Alors je crois qu'il y a certains terrassonnés qui ont brillé dans des compétitions BMX.
Oui, bien sûr. Sur les 20 dernières années, il y a eu pas mal de résultats. On a eu notre coach actuellement, qui est Jérémy Maillat, qui a couru, alors si je dis pas de bêtises, je crois jusqu'en Coupe de France. Je suis pas tout à fait sûr de ce que je dis, mais il me semble que, enfin, il a eu un niveau plus que correct, élevé. Donc il me semble que c'était jusqu'en Coupe de France. Il y a eu Thomas Delmas qui a fait énormément de résultats. Et aujourd'hui, c'est vrai que les pilotes qu'on a aujourd'hui ne font pas au-delà de la Nouvelle-Aquitaine, mais ont quand même pas mal de résultats. On a un pilote, Lucas Delmas, qui a fini premier de sa catégorie sur la Coupe Nouvelle-Aquitaine cette année, ce qui est franchement pas mal. Et on a eu pas mal de résultats, même chez les plus petits, en vérité. Donc c'est encourageant pour le club, hein. J'imagine que même si on n'est pas dans les meilleurs, savoir que dans le club il y a des gens qui se défendent bien, je pense que c'est valorisant quand même, non ? Oui, c'est valorisant, et puis c'est surtout quand on voit qu'il y a des jeunes qui sont passionnés, qui adorent ça, qui vivent de ça, qui ne parlent que de ça, et qui attendent toute la semaine le samedi matin pour aller faire l'entraînement, qui attendent les compétitions. Et qui adorent vraiment ça, même s'ils ne sont pas dans les meilleurs, parce qu'il y a ceux qui se battent, il y a ceux qui sont encore en train d'apprendre, mais finalement, il y a les entraînements pour apprendre, mais les compétitions, le but de la compétition, ce n'est pas forcément d'être le meilleur, ce n'est pas d'arriver premier, c'est justement d'apprendre dans la compétition, parce que ce qui est bien, c'est de concourir contre des meilleurs que soi, et c'est là qu'on développe un maximum d'aptitudes, et finalement, les compétitions, c'est très très intéressant. Il n'y a pas que la vitesse, il y a aussi un côté technique, c'est ça, de stratégie peut-être ? Oui, il y a de la stratégie, il y a de la technique, il y a des techniques pour le passage des bosses. Il y a les sauts, il y a les pompées, il y a les enroulés, ça c'est des techniques à maîtriser. Et puis après, il y a une stratégie dans la course, le placement au départ, le placement dans les virages, resserrer, pas resserrer les autres pilotes, couper la route, pas couper la route. Enfin, oui, il y a une stratégie à obtenir. Il ne faut pas se concentrer uniquement sur sa trajectoire. C'est comme n'importe quelle course, en fait, que ce soit automobile, motocross. La trajectoire est très très importante pour gagner quelques dixièmes de seconde. Est-ce que la piste de Terrasson est bien équipée ? Est-ce qu'elle pourrait recevoir des championnats ? Des championnats, je dirais pas qu'elle est bien équipée pour accueillir des championnats, mais on a bon espoir de pouvoir au moins organiser ce qu'on appelle la coupe Limdor. Alors c'est quelque chose qui a été créé par la région. Enfin, c'est plus local, on va dire, et c'est en partenariat avec les coupes, les clubs de Limoges, Condat-sur-Vienne, Val-de-Torion. À Saint-Priest-Orion, et comme on est le seul club sur trois départements, en fait on concourt avec eux, et du coup ça s'appelle Limdor pour Limousin Dordogne. Alors bien sûr, si on fait venir une manifestation comme celle-ci, au point de vue économique, ce serait intéressant, parce que ça ferait venir du monde sur Terrasson, hein, non ? Combien il y a de compétiteurs, et puis surtout les familles qui accompagnent, non ? Y a les familles qui accompagnent, il y a les coachs, il y a l'ensemble des clubs. Après, c'est vrai que c'est une compétition qui accueille, donc du coup, je crois, 4 clubs. Donc ça fait partie des petites compétitions. Mais on peut avoir jusqu'à peut-être 100, 150 compétiteurs, plus les accompagnants, les clubs, les présidents. Ça peut vite faire un peu de monde pour la petite piste de Terrasson, et ça pourrait être intéressant, parce qu'en final, ça fait quelques années qu'il n'y a pas eu de manifestation de course sur cette piste. Surtout que là, elle a été refaite. Ce serait le moment de relancer tout ça. Ouais. Combien de membres à Terrasson aujourd'hui ? On est monté très haut, je pense. On est monté assez haut. Si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'on est monté à 56 cette année. Alors il y a ceux qui abandonnent, il y a ceux qui, les nouveaux qui reviennent. J'ai pas le chiffre précis là, mais je dirais qu'on est bien à une cinquantaine d'adhérents en ce moment. J'aurais dit 60-70 à une certaine époque, non ? Je me demande si en début de saison dernière, on n'est pas allé jusqu'à 63-64. Je suis pas très sûr, j'ai plus les chiffres en tête. Donc c'est quand même bien, hein, ça fait quand même du monde. Oui, ça fait du monde, surtout que ça fait plaisir, parce que nous, on est dans le club, on reprend petit à petit, on apprend aussi,
et voir des jeunes qui viennent, qui ont envie, qui s'investissent, qui demandent comment faire et qui sont là tous les matins, tous les samedis matins. Bah, du coup, on se dit que finalement, il y a quelque chose à faire vivre. Et oui, s'ils sont 50, 60, de toute façon, même s'ils étaient que 30, on fonctionnerait exactement pareil. Et de toute façon, bah, même si on arrive à 80, ce sera avec plaisir. Donc on attend du monde, oui. Est-ce que si on n'a pas trop de moyens au départ, on peut quand même venir frapper à la porte et tenter d'essayer, voire de débuter, quoi? Pour les essais, il n'y a pas tellement de soucis parce qu'on a quand même un petit peu de matériel. Donc pour les essais, on prête le minimum des gants, casque et vélo. Après, il faut arriver, comme je disais, avec des manches longues et un pantalon assez solide, genre jean. Et puis, c'est possible de faire les essais. Après, si on veut continuer, il y a toujours un peu d'investissement à faire. Mais les vélos d'occasion, ça se trouve. Il y a pas mal de matériel d'occasion qu'on peut trouver à moindre coût. Ça coûte quand même toujours un petit peu d'argent, mais on arrive toujours à trouver notre bonheur. Il y en a à peu près pour toutes les bourses. Vous connaissez vous-même certainement les bonnes adresses où il faut aller pour connaître, pour s'équiper pas trop cher. Oui, et puis généralement, quand il y en a qui changent de vélo parce qu'ils ont grandi, au lieu de les mettre en vente n'importe où, nous en parlent d'abord pour dire on a un vélo à vendre. Comme ça, si on sait que quelqu'un cherche un vélo, on propose. Donc en général, les gens, avant de vendre, nous disent ce qu'ils ont à vendre. Du coup, il y a à peu près toujours du matériel d'occasion qui est disponible. Si ça peut profiter à un jeune du club, voilà. Oui, voilà, c'est le but, que ce ne soit pas vendu à 300 km alors qu'on a toujours quelqu'un qui a besoin de matériel. Autant que ça reste dans les parages, il y a besoin de matériel pas cher. Alors, on voit parfois des jeunes qui, sur un petit BMX, un petit vélo, se font des figures, des choses comme ça, à gauche, à droite. Alors ceux-là, ils sont bien sûr les bienvenus, parce que ça veut dire qu'ils sont déjà à l'aise sur un vélo. Ne pas hésiter à frapper la porte, à frapper à la porte du BMX de terrasson. Oui, bien sûr, il y en a beaucoup. Et puis en vérité, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de jeunes et même beaucoup de parents qui connaissaient la piste de BMX de terrasson, mais qui ne sont absolument pas au courant qu'il y a un club. Et ça, on s'en rend compte, vraiment. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on va essayer de mettre un petit peu plus de panneaux à la piste de BMX avec nos contacts, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent. On a déjà rencontré des jeunes, par hasard, qui roulaient très très bien sur la piste de BMX et qu'on a recrutés. Et quand on leur en parlait, ils disaient « Ah bon, c'est génial, il y a un club. Ok, on vient, donc ils en parlent aux parents. » Et ça, c'est arrivé plusieurs fois quand on les recrute comme ça en disant « Mais tu roules super bien, pourquoi tu viens pas au club ?» Et ils ne savaient pas qu'il y avait un club. Donc bah, c'est vrai qu'il faut il faut tomber dessus, il faut leur en parler. Mais surtout à nous de préparer un peu plus de panneaux, de faire un peu plus de communication. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant, qui voient une piste, mais qui ne savent pas pourquoi. Alors qu'effectivement, il y a un club. Bien sûr, on apprend que, bien entendu, on peut aller sur cette piste à terrasson sans faire partie du club. On peut déjà aller se tester. Si on en a plus, on a un petit vélo, tant mieux. Oui, la piste est ouverte. Alors, il y a beaucoup de pistes en France qui sont fermées. Donc, il faut adhérer au club pour pouvoir rouler dessus. Nous, à terrasson, la piste est ouverte. Donc, on compte sur la plupart des gens pour être suffisamment respectueux, pour ne pas y aller avec des véhicules à moteur, des motos. Parce que ça, ben, ça dégrade et c'est assez compliqué de refaire la piste. Il faut beaucoup de moyens, c'est pas toujours évident. Mais dans le respect, c'est possible d'aller faire du vélo là-bas, s'essayer, même sans être adhérent au club. On espère ensuite que ça donne suffisamment goût à la personne pour qu'elle vienne adhérer avec nous et pourquoi pas se lancer dans la compétition. Merci, mais merci donc de parler du club de BMX de terrasson. On espère que ce club va continuer dans sa lancée, hein, qui est avec des sportifs qui sont vraiment des passionnés. Hein. On espère que ça va bien se passer cette année. Ben, on espère aussi, en tout cas on est là, pas question de lâcher. Donc à n'importe quel moment, c'est possible de venir faire un essai, n'importe quand dans l'année, au moins s'essayer. Et oui, on va rester là et on prie pour nous. L'idéal, c'est de venir bien sûr le mercredi après-midi, alors 14h30 peut-être, et le samedi matin. Alors les entraînements, c'est le samedi matin. Le mercredi après-midi, on a un ancien pilote du club qui est plus âgé et qui prend un petit peu le relais pour rajouter quelques entraînements le mercredi. Alors c'est pas vraiment un entraînement, c'est plutôt des pilotes du club qui se retrouvent
pour aller rouler, puisque comme j'ai dit, la piste est ouverte. Donc eux se retrouvent, mais c'est pas vraiment un entraînement. C'est des pilotes suffisamment confirmés qui se retrouvent pour aller rouler. Les entraînements sont le samedi matin de 9h30 pour les plus débutants jusqu'à midi et demi. Donc les horaires sont 9h30-11h pour le premier groupe, les débutants. Et pour les plus confirmés, c'est de 11h à midi et demi. Donc on peut venir avant 9h et avant 9h30 pour avoir des renseignements ou alors même en cours d'entraînement, il n'y a pas de souci. Oui, il y a toujours quelqu'un du bureau qui est sur place, de toute façon, donc pour les renseignements, à n'importe quel horaire, entre 9h30 et 12h30, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a une page Facebook pour vous suivre, un numéro de téléphone ou voilà? Alors, il y a la page Facebook du club de BMX de Terrasson, il y a l'Instagram aussi. Sur la page Facebook, il est possible de trouver un numéro de téléphone. Normalement, c'est le mien. Pour les renseignements, il n'y a pas de problème. On peut nous... Comment s'appelle la page BMX Terrasson? La page s'appelle BMX Terrasson, oui. BMX Club Terrasson. Ouais. Bon, je précise, moi je ne fais pas partie des responsables du centre équestre de la Valade. Je suis bénévole, voilà, du centre équestre. Je m'appelle Cécile. Alors Cécile, vous allez nous expliquer comment se porte ce club Valavalade que tout le monde connaît ici à Terrasson, qui est un petit peu sur la commune, qui est sur la commune voisine, la Cublac, mais en fin de compte, les Terrassonnais connaissent bien ce club. Oui, c'est le centre équestre du coin, voilà, qui a une longue vie, une longue histoire. Je n'en connais pas tout. Voilà, je connais surtout depuis que Barbara est arrivée au centre équestre. Voilà, donc et c'est elle qui fait les cours. C'est elle qui est la gestionnaire du centre. Après, elle donne donc les cours. Elle s'occupe de tous les chevaux qui sont et des poneys qui sont du centre équestre et puis de ceux aussi qui appartiennent à des particuliers, voilà. Alors justement, comment ça se passe? Alors les cours ont lieu, on voit qu'il y a des démonstrations derrière, ils vont passer derrière vous là. Il y a un cheval qui passe, je ne sais pas si vous le voyez, c'est un petit poney. C'est un poney, oui. Alors qui s'appelle Osiris justement. Donc il y a les cours ont lieu plus précisément le mercredi et puis le samedi toute la journée, le mercredi toute la journée, le samedi toute la journée. C'est plutôt dédié le matin aux plus débutants. Donc, aux débutants le matin, puis après on monte un petit peu en échelon, enfin en galop, au fil de la journée. Voilà. C'est des cours d'une heure avec des échauffements d'abord, on détend le cheval ou le poney, ça c'est le cavalier qui le fait tout seul, enfin évidemment avec tous les autres cavaliers pendant le cours, et après Barbara intervient et elle donne des consignes, soit c'est du dressage, soit c'est du saut d'obstacle, mais bon, quand on est tout petit débutant, on ne fait pas de saut encore. Voilà, on apprend à conduire, à manier un équidé, voilà. Ça doit être passionnant, je pense que de toute façon, les pratiquants, ils viennent par amour du cheval, hein, c'est ça? Oui, c'est une passion, hein, franchement, l'équitation, c'est une passion, parce qu'on monte par tous les temps, qu'il pleuve, vente, neige, fasse grand soleil, voilà, il y a les cours ne sont pas interrompus pour ça, voilà, mais évidemment ils sont adaptés quand il y a de trop fortes pluies, on fait cours dans le manège. Quand il y a très très grand soleil et des fortes chaleurs, comme au mois de juin par exemple, on adapte aussi, les cours sont adaptés, on fait des choses plus tranquilles, parce qu'on respecte le cheval aussi, quoi. Voilà. On déplace les horaires en fonction de la journée aussi, s'il fait trop chaud. Oui, bien sûr, enfin, tout est possible. Voilà. Est-ce que l'on est une région et qui a un peu ça dans l'âme, l'équitation? On sait qu'il y a Pompadour pas très loin, par exemple. Oui, c'est vrai. Alors, pour le coup, je ne suis pas vraiment originaire de la région.
Donc je ne pourrais pas vraiment vous répondre, mais je sais que oui, effectivement, il y a Pompadour qui n'est pas loin. Donc bon, il y a comme dans toutes les régions, il y a beaucoup de clubs de centre équestre qui organisent des concours, etc. Donc il y a une tradition d'aller concourir un dimanche là, un dimanche là, etc. Après, je pense que c'est pas une des régions les plus adeptes de l'équitation. Je pense qu'il y en a d'autres qui sont plus. Mais bon, après, je veux pas m'avancer parce que je veux pas dire de bêtises. Bon, alors pour venir s'entraîner, c'est comme il n'y a pas de secret, c'est le mercredi, le samedi, c'est ça? Voilà, c'est le mercredi, le samedi. Après, pendant les vacances, Barbara organise des stages. Ce sont des stages à la demi-journée, souvent plus rarement à la journée. Enfin bon, après on peut choisir plusieurs stages au cours d'une journée, qui sont adaptés en fonction des niveaux que l'on a. Ça peut être de la voltige, ça peut être du saut, enfin pour améliorer les techniques, etc. Donc voilà. Et puis si on est un simple touriste ou on a juste une envie de faire une petite balade, on peut aussi faire une balade en main. Donc c'est nous qui avons la personne qui vient avec son enfant qui dirige le poney et qui va faire une petite promenade dans les environs et pendant trois quarts d'heure. Voilà, ça c'est possible aussi. Bon, mais on peut faire plein de choses, parfait. Donc c'est un club qui organise aussi, on le sait, le jumping de Terrasson en mai en principe. Donc là, ce sont des compétitions qui ont lieu toute la journée, le dimanche, bien, ici justement au parc de Lavergne, à Terrasson. Et donc voilà, donc ce sont des journées qu'il ne faut pas rater parce que ça se passe bien, l'entrée est gratuite en plus. Oui, c'est un grand jour. C'est la grande journée du centre équestre, évidemment, qui est décentralisée à Terrasson, au parc de Lavergne. C'est une belle journée. Puis on a toujours eu du beau temps et c'était vraiment très agréable, de voir les cavaliers qui viennent de différents clubs de la région concourir ici. C'est vraiment une très très belle journée. Voilà. Combien de membres à la Valade, là, je vous pose peut-être une colle, hein, vous ne savez pas, parce que c'est quand même pas mal. Hein. Oui, alors non, moi je ne pourrais pas répondre parce que c'est la présidente qui est partie tout à l'heure, là, qui pourrait mieux vous répondre que moi. Je ne sais pas exactement. quel est le coût pour débuter? Est-ce qu'il y a des cours gratuits au départ? Je ne sais pas. Alors bon, la première séance est gratuite pour Barbara voit un peu le niveau, donc elle prend le temps de regarder comment la cavalière ou le cavalier monte, lui donne des conseils, etc. Puis après, elle lui propose effectivement des adhésions. Alors, on peut prendre des cartes de 10 leçons qui sont à utiliser dans l'année, qui coûtent entre 160 et 180 euros en fonction de l'âge. Sinon, on peut aussi avoir des forfaits annuels. Donc en fonction de l'âge, par exemple pour un enfant qui a moins de 11 ans, c'est 555 euros. Donc pour toute l'année, il y a 37 cours donc qui sont organisés pendant toute l'année, jusque fin juin, début juillet. Et on peut payer en plusieurs fois, jusqu'à 10 fois. Donc on fait des chèques de 55 euros, par exemple, et ils sont encaissés chaque mois. Voilà, donc il y a des facilités de paiement. Voilà, il faut rajouter le prix de l'adhésion annuelle famille, c'est-à-dire si on a plusieurs enfants, on paye une seule adhésion qui est donc de 50 euros. Et après, il faut quand même, pour tous les autres clubs de sport, il faut avoir une licence donc de la Fédération française de l'équitation qui coûte 25 euros. Voilà. Avec assurance comprise. Voilà, oui.
Très bien. Et est-ce qu'il faut une tenue spéciale au départ? Est-ce qu'on peut démarrer avec, je sais pas moi, un survêtement? Alors, il faut une tenue souple, évidemment. On peut démarrer avec un jogging. Après, c'est vrai que quand on a le pantalon d'équitation qu'on peut trouver à des prix très très raisonnables à Decathlon, par exemple. Enfin, je fais pas de publicité, c'est vrai, il faut pas en faire. On voit que l'adhésion, enfin le couple cheval cavalier est mieux, c'est plus agréable en fait d'avoir une tenue plus adaptée, mais on peut démarrer avec un jogging simplement. Voilà. Après, oui. les bombes, enfin les casques sont fournis par le centre équestre. Oui, pour avoir une bonne assise, bon, c'est quand même idéal d'avoir un pantalon adapté. Voilà, oui, c'est ça. Oui. Très bien. Bon, ben voilà, c'est un sport au grand air. Vous êtes équipé. Il y a des, je crois, à la Valade, il y a des hangars hein, pour oui, si vraiment. Ça s'appelle un manège. Oui. Donc c'est un espace couvert en sable. Voilà, et donc on peut évoluer facilement avec le poney ou le cheval. Voilà. Merci à vous de nous parler, de nous faire partager votre passion pour le cheval, ça se sent. Donc si vous avez au fond de vous une âme de cavalier, eh bien il ne faut pas hésiter une seconde, il faut aller vous rejoindre ici. C'est à deux pas, c'est vrai. Au centre équestre, la Valade, c'est à Cublac. Oui, et puis le cadre est magnifique, en fait. C'est vrai que c'est très, très beau. C'est un lieu isolé, donc c'est en pleine nature. C'est vraiment très, très beau. Ouais, et puis vous faites des balades autour hein, aussi. Voilà. Oui, il y a des balades qui sont proposées aussi dans les environs. Et c'est très agréable. Voilà. Pour vous joindre, un téléphone, un site internet, une page Facebook? Alors, je vous donne le numéro de téléphone de Barbara. Donc, c'est le 06 81 75 15 78. Que vous connaissez par cœur, ça se voit. Oui. Voilà. Merci à vous et bonne continuation. Merci d'être là aujourd'hui pour cette journée des associations parce que c'est vrai que c'est un sport, même si on ne va pas pratiquer soi-même, c'est toujours très agréable de voir des jeunes qui sont autour des chevaux comme ça, qui sont passionnés par... C'est naturel, quoi. Oui. C'est vraiment... le lien entre l'enfant et l'animal est vraiment fabuleux, quoi. Il se crée de belles amitiés entre les enfants et les chevaux. Vraiment. Et de belles photos à prendre. Oui, tout à fait, aussi, oui, voilà. Merci à vous. Ça va vite, hein? 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 Ça va